Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va découvrir la nouvelle Face Palette de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est une palette pour le teint et pour les yeux. On va voir tout ça ensemble. Abonnez-vous et c'est parti. Donc comme je disais, Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle Face Palette. C'est une palette pour le teint dans laquelle on va avoir deux blushs et deux highlighters. Alors, elle l'appelle Pillow Talk Beautifying Face Palette. Il y a fard plus illuminateur embellissant pour les yeux, les joues et le visage. J'ai pris la teinte Fair Medium, pâle moyen. Ici, vous pouvez voir un peu les couleurs. Voici le packaging secondaire, très beau. Et voici l'arrière avec toutes les informations. Et il y a 4 x 3,8 grammes. Il y a une durée de vie de 18 mois. Et du coup, c'est une palette de fard Pillow Talk, tout droit sortie d'un rêve, qui embellisse et donne de l'éclat au visage, aux joues et aux yeux. Appliquée sur les joues, les pommettes et les tempes, le coin interne des yeux, les paupières, l'arc de Cupidon et le décolleté. Donc, comme je disais, il y a 4 fards à l'intérieur. On va voir la palette parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. Donc, voici la palette. Je trouve le packaging très très beau. C'est un peu, on dirait, en plusieurs couches. On a le logo de la marque ici en grand et puis en petit partout. Et donc voici la palette, voici l'arrière et l'intérieur. Vous la découpez avant moi, c'est juste le petit plastique qui est tombé. Donc on a un miroir et on a les 4 fards, donc les 2 blushs et les 2 highlighters. Comme vous pouvez voir, on a un blush un peu plus nude, un peu plus peps. On a un highlighter doré et un highlighter rose. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle l'appelle blush doux. Ici, éclat ultra. Ici, super blush. Et ici, multi-éclat. Donc on va essayer tout ça. Pour l'instant, j'ai juste appliqué base, fond de teint, poudre et j'ai fait les sourcils. J'ai pas fait les yeux non plus parce que je me suis dit, bah, si ça marche pour les yeux, autant essayer. Donc on fera les joues et les yeux. Et vu que j'ai 2 joues, je pourrais essayer un truc de chaque côté. Donc ça va aller. On va passer au swatch. Je viens de voir, c'est Made in Italy, donc ça va. C'est normalement les produits fabriqués en Italie, ils sont de bonne qualité. Donc on va commencer avec les swatchs. J'ai pas envie de toucher, en fait, vu que c'est les highlighters, on dirait les, vous savez, les têtes de lit à l'ancienne. Et j'ai pas envie de toucher. Ça, c'est un blush. C'est très doux, mais c'est poudreux, c'est pas une texture crémeuse. Alors, si les swatchs ne donnent rien, c'est pas grave, parce que ce sont quand même des blushs. Donc on a le premier, et encore, je trouve que ça va. L'highlighter doré, l'highlighter rose et le blush un peu plus peps. Ça a l'air pas mal. Donc on va commencer. Je vais commencer par le blush le plus nude, celui-ci, et je viens l'appliquer. Je vais vous zoomer déjà et ensuite on pourra commencer par le blush le plus nude et
J'ai pas trop pris parce que j'avais peur de la pigmentation, mais vous le voyez apparaître. Je prends vraiment très peu sur mon pinceau à chaque fois. C'est très beau. Franchement, c'est très très naturel, quoi. Enfin, j'adore. Et ça se fond très bien à la peau. Il n'y a pas de paillettes. Il est mat. Très beau. J'essuie mon pinceau et on vient prendre le blush un peu plus peps. On vient appliquer de l'autre côté. Là, je veux voir si s'ils sont vraiment différents, parce que vu le prix de la palette, il y a intérêt à ce qu'on ait vraiment quatre fards bien différents. Mais on voit bien la différence. Là, c'est bien plus nude, alors qu'ici, c'est bien plus fort. Je pense que même mélanger, donc appliquer celui-ci comme ça et ensuite le plus peps juste ici au niveau des pommettes, je pense que du haut de la joue là, je pense que ça peut faire très très beau, mais j'ai envie d'en mettre et d'en mettre parce que ça se fond tellement bien à la peau. Attends, je suis mon pinceau juste pour reprendre le premier et l'intensifier un peu plus. C'est vraiment très beau. Et en effet, je vois une différence. Lui, il est beaucoup plus rose, alors que lui, il tire un peu sur le marron. Très beau. Et maintenant, on va essayer les highlighters. J'ai essayé le doré d'un côté et le rose de l'autre. Donc, je prends le doré. Il est très naturel, le sien. C'est pas pailleté. C'est très beau. Pas mal. On va essayer le rose. Ouais, il est bien rose. Donc ça va. On a quand même des fards qui sont assez différents. Et aucun des deux n'est pas été. J'adore le rendu. J'ai un peu baissé les lumières juste pour vous montrer bien le rendu. Donc là, c'est le côté blush plus peps avec l'highlighter rose. Et ici, le blush plus nude avec l'highlighter doré. Et vous voyez bien les différences. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, on va passer aux yeux. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en utilisant cette palette sur les yeux et sur le teint, on est sûr d'avoir son maquillage accordé. Donc je vais prendre ce fard là, donc ce fard, ce blush, et je viens l'appliquer au niveau du creux. Et ça s'applique très bien. Je ne m'attendais pas à une pigmentation très forte au niveau des yeux. Mais en fait,
Je trouve qu'il est d'une pigmentation moyenne pour pas que ça fasse trop sur les joues, mais que ça apparaisse quand même au niveau des yeux. Je vais en mettre sur toute la paupière un peu plus en légèreté, voilà. Mais ça fonctionne très très bien. Et avec un pinceau un peu plus pointu, donc un petit boule comme ça, je viens prendre la lighter dorée et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Et est-ce que je l'applique au milieu de la paupière ou plutôt en étirant? Je vais l'appliquer au milieu. Ça applique pas mal, mais je vais essayer au doigt quand même. Ah, c'est mieux. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais avec les teintes un peu plus, avec la teinte là un peu plus peps. Très bien pigmenté aussi. Allez, au niveau du ras de cils inférieur, je lis le tout et je viens remplir la paupière. Les jours où on veut aller vite, c'est trop bien parce qu'on prend cette palette du coup. Et on peut tout faire. Je vais l'appliquer aussi au doigt. Je vais juste en appliquer un peu ici pour voir. Ouais, c'est pas mal. Je prends le doré de l'autre côté. C'est pas mal. Je vais mettre mascara, quelque chose sur les lèvres et j'arrive tout de suite. Voilà ce que ça donne avec le tout. J'ai appliqué le mascara Clinique et j'ai appliqué le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 004 Silk que je trouve va à merveille avec que ce soit le côté plus nude, que ce soit le côté plus peps. Et je vous ai également swatché le blush Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Ici à côté, juste pour vous montrer que je trouve que ça n'a rien à voir. Ici on est vraiment sur un blush très 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 marronné, là un peu plus rosé et là bien plus peps. Alors, est-ce que cette palette vaut le coup? Je la trouve très très chère. Mais en même temps, je trouve que les produits Charlotte Tilbury se situent déjà dans une gamme de luxe. Après, ces produits, ils se font tellement bien à la peau. Ils sont de vraiment très bonne qualité, faciles à travailler, d'une bonne pigmentation, pas trop forte, pas là, inexistante. Et du coup, je trouve que ce sont des produits... facile à travailler pour n'importe quel niveau
d'expertise en termes de maquillage. Je trouve la palette très très belle. Je trouve que c'est un beau bijou, franchement. Et je trouve que les fards sont bien choisis. On a un côté plus doré, un côté plus rose, un côté plus nude, un côté plus peps. Je pense que la seule chose qui manque, ça aurait été un bronzer ici à côté. Un petit bronzer pour qu'on puisse vraiment l'appeler palette pour le teint et avoir tout à l'intérieur. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et je pense que si elle a fait comme ça, c'est qu'elle recherchait vraiment ça comme produit. Donc pour le prix, je trouve que c'est trop... Comment dire, c'est cher. Maintenant, j'en suis sûre que vous pouvez trouver des bons blushs, des bons highlighters dans d'autres marques, beaucoup moins chers. Maintenant, si vous adorez le maquillage, si vous êtes, si vous faites collection, ou alors si vous voulez vous faire plaisir, moi je trouve que la palette, elle est très très bien. Elle est, comme je disais, elle est facile à utiliser. Bonne pigmentation, et le fait qu'on puisse l'utiliser sur les yeux et sur le teint, ça aide énormément à ce que tout le maquillage soit accordé. Je trouve que même au niveau des yeux, ça fait beau, hein. Ça fait très très simple, mais ça fait beau. Si on veut pousser un peu plus, on n'a qu'à tirer un beau trait de liner ça fera déjà un maquillage super complet et super beau. Donc, voilà, dites-moi si vous avez craqué pour cette palette. Elle était dispo pendant la dernière journée Gold de Sephora. Donc si vous avez pu profiter de l'offre des moins 25%, dites-moi. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé ou pas. Il y en a qui m'ont dit qu'elles l'ont déjà acheté. Il y en a même qui ont acheté les deux. Donc elle existe en deux teintes, Fair Medium et Medium Deep. Pour les teints un peu plus foncés. Moi, vu que j'ai le teint très très clair, je me suis dit ça suffira, j'aurai de quoi faire, et dans tous les cas le prix est juste hors de prix. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, et moi je vous dis à bientôt.